Déjà absent ces derniers jours à Bruxelles pour la tournée Star Academy, Julien Leeb pourrait ne pas chanter au concert à El Accor Arena de Paris ce samedi 8 juin. Il s'est confié dans les colonnes de Ciné-Télé-Revue. Triste nouvelle pour les fans de Julien Leeb. Le jeune chanteur de la Star Academy est malade, ce qui compromet sa présence au grand concert à El Accor Arena de Paris ce samedi 8 juin. Déjà absent de la tournée quelques jours la semaine précédente, le finaliste de Elle Édition 2023 a donné de ses nouvelles à Ciné-Télé-Revue. « Je vais mieux, je suis en train de me soigner », a expliqué l'académicien avant de poursuivre. La fatigue accumulée entre la scène, le studio, l'écriture, la composition, tout ça fait que j'ai contracté un mix de bronchite laryngite. Épuisé physiquement, il est compliqué pour lui d'assurer le show. Chanter comme ça, c'est un peu compliqué, même physiquement, même en dehors de la voix, j'étais vraiment dans le mal en fait. Il m'a fallu un peu de repos, a déclaré Julien Leeb. Seulement quelques dates de concert étaient initialement prévues mais face au succès que rencontre la promotion 2023. La tournée s'est prolongée. Pierre, Julien, Candice, Axel, Lenny, Elena et Djebril enchaînent les concerts car il n'y a pas moins de 70 dates qui ont été programmées à travers la France et en Belgique. Mais les jeunes chanteurs ont du mal à suivre ce rythme effréné. Beaucoup d'entre eux sont épuisés. Après Pierre Garnier qui avait dû s'absenter quelques jours pour préserver sa voix ou encore Lenny Vacher qui avait loupé un concert, c'est au tour de Julien Leeb. Le jeune homme, qui a contracté un mix de bronchite laryngite, fait tout son possible pour être présent au grand spectacle qui sera retransmis en direct sur TF1. Je suis allé voir le médecin, et j'ai une batterie de médicaments pour que je sois prêt pour le show et pour Bercy. Le but, c'est d'être d'attaque pour samedi. A-t-il expliqué, laissant donc de l'espoir à ses fans de le voir samedi 8 juin. Julien Leeb, Star Academy, sans tabou sur ses soucis financiers passés. Quelques jours auparavant, Julien Leeb s'était confié sur sa vie avant la Star Academy dans les colonnes de télémagazine. Le jeune homme a reconnu avoir eu d'énormes soucis financiers. J'étais dans une situation financière terrible. Je n'avais plus de logement, plus de boulot et pas d'argent pour me nourrir, a-t-il révélé. Peu avant de poser ses valises au château de Damary-les-Lys, le chanteur avait néanmoins réussi à remonter la pente. Je me suis battu et j'ai réalisé mes rêves. J'ai pris deux boulots alimentaires, dont un dans une entreprise de recyclage de palettes. Ça forge le mental, a-t-il ajouté, précisant que sa famille ne pouvait pas l'aider pendant cette période difficile. J'en parlerai dans mes projets futurs. J'ai une histoire familiale très compliquée, a-t-il conclu. Heureusement, Julien Leeb a désormais sorti la tête de l'eau. Même s'il n'a pas remporté les 100 000 euros promis aux gagnants de la Star Academy, l'artiste peut utiliser son talent de chanteur et sa notoriété pour gagner sa vie.